For Suzuki in front, Monahan with it to Matheson, scores! The Corpi solo. Ça en fait deux là aux dépens de Caulfield. Et là, c'est l'échec avant de Josh Anderson. Voilà l'échec avant de Josh Anderson. La remise du capitaine Suzuki. Un tir sans avertissement. Sur réception et Corpi solo. Honnêtement, la vedette de cette séquence. Artyom Zub. Voilà Caulfield qui reprend. Caulfield à Kovacevic. Kovacevic, il va dans le tir. Caulfield rejette par la rampe vers Suzuki. Suzuki derrière à Caulfield, ensuite à Matheson. Matheson à Monahan. Monahan remet derrière. Oh, quelle belle séquence! Les cinq joueurs sur la patinoire et c'est 1-0. Après avoir laissé connaître son mécontentement à la fin du dernier match, Sir très vite aura la glace de Slavkovski. L'échange entre Suzuki, Caulfield, Matheson, Monahan et Slavkovski. Le capitaine est le dernier à toucher à cette rondelle en faisant dévier dans une cage qui est désormais abandonnée. La rondelle revient sur ses pas, remet derrière lui à Sébastien Mahon. Revirement, Suzuki à Caulfield. Je pense que le premier trio et principalement le premier duo est prêt pour le match. Poursuit sur ce lancer. Profitant d'un revirement un peu bête de Sébastien Aho le long de la rampe dans son propre territoire. À combien de reprises est-ce que Patrick Roy, déjà en trois matchs, a parlé d'une meilleure gestion de la rondelle, ne sera peut-être pas satisfait de cette récupération de rondelle. Si un revirement, il faut dire que la passe... va glisser jusqu'à Cooley. Encerclé par Rust. Peterson de retour à Suzuki. La passe est pour Caulfield. Matheson avance. La passe reçue. Le tir. Le but! Action de Caulfield. Matheson. La passe. Suzuki longe la rampe, se dirige dans le coin. Suzuki vers Monahan. Slavkovski de l'autre côté. Dévié. Le but! But en avantage numérique. De toute façon, on tout va commencer de Suzuki qui va amener cette rondelle dans l'enclave. Et Monahan, partiellement, va la faire dévier. Un petit peu de chance de la part de Suzuki, qui tentait de repérer son coéquipier Cole Caulfield de l'autre côté. Interception de Caulfield. Caulfield s'avance, la passe est tirée! Eh bien, c'est un peu l'inverse. Caulfield provoque le revirement et son capitaine qui marque. C'est 1-0. Et le trio principal responsable, meilleur revirement ici à la sortie de territoire. La passe de Mellenstein est dans les patins d'Obécubel qui, à son tour, est coupable d'un revirement également. Caulfield en profite, un revirement en zone neutre, tout juste à la ligne bleue des Capitals. Et lorsque le défenseur se couche sur la patinoire en glissant, la passe soulevée de Caulfield est parfaite. Le capitaine ne rate pas pareille occasion. Il bat Charlie Linger dans la partie supérieure. Bidon de mi-saison. Absolument. Voilà un tir sur le poteau. Mais c'est encore Jack Highmark qui a ce don d'être décevant du bon point de vue, qui a tout déclenché. Et aussitôt, c'est 2-0 et un deuxième pour le capitaine. Principal des Capitals de Washington, une mise en jeu gagnée en territoire offensif. La décision de Jack High est la bonne lorsqu'il décoche un tir qui touche le poteau. Et on juge, du côté d'Ovechkin du moins, que Slavkovski a créé de l'obstruction. C'est ce qu'il disait à l'officiel. La passe au centre, c'est raté. Voilà un revirement pour Suzuki, le tir! Et Charlie Lindgren qui réussit l'arrêt. Et ensuite à Matheson. Matheson vers Suzuki. À Matheson. Matheson. À Slavkovski, la vie! Ben, pas Jimmy Ben, Faxa et Sam Steele. C'est lui aussi qu'on doit surveiller. Voilà Caulfield qui remet. Et le ballon est bloqué par Hoffinger. Voilà Matheson. Matheson réussit à remettre à Suzuki. Belle feinte à Caulfield. Caulfield derrière à Suzuki. À la ligne bleue. À Matheson. Rondelle bondissante récupérée par Matheson. À Suzuki encore. Vers Caulfield. Il est rejoint en défense. Voilà Suzuki vers l'enclave pour mieux. Bien sûr, le tir. À reprendre. Oh, et qui remet à Suzuki par la rampe. Ben Marc, c'est la finesse du joueur de billard. Et le meneur d'hommes en
première période contre les Capitals pour inscrire les deux premiers buts, inscrire le premier but de la rencontre aujourd'hui également. Vous l'avez vu se faire oublier derrière les deux défenseurs. Deux défenseurs de confiance, mais qui regardent toujours vers l'offensive. Iskanen et Hurley du côté des Stars. Suzuki se fait oublier. Tire des poignets. Précis et vif. Sans hésitation, en voleur alors qu'il récupère la rondelle depuis la rampe. Il bat Attinger de passe. Et rondelle libre, retour donné par Attinger. Suzuki à Slavkovski. À Caulfield. Caulfield à Suzuki. Et tire ensuite un bel arrêt. Maintenant, fin de tir. La valise derrière à Slavkovski. Et tire ensuite. Minutes. Pourquoi? Parce qu'en ayant délégué personne au banc des punitions pour Samuel Blais, on ne peut insérer un cinquième patineur dans la mêlée. Wow. La pénalité, elle est finie, mais le Canadien bénéficie d'un jeu puissant jusqu'au prochain arrêt de jeu. Passe par Lyubushkin, Fowler remet plus loin, Suzuki intercepte, tir de Caulfield, et retour encore raté par Alex Newhook. Pénalité terminée, ça se poursuit. Caulfield. Et ensuite, Newhook qui fait en l'air. La rondelle lui revient. Il reste 15 secondes à la pénalité. Newhook vers Suzuki. Devant le filet. Le tir. Rondelle libre. Vers Vakanainen qui avait quitté sa position. Est-ce qu'on en a une échappée? Caulfield. Slavkovski. Le tir. Ah, deux contre un. Slavkovski. Passe de Comment peux-tu mieux synchroniser un jeu de la sorte? C'est 2-0. Henry, c'est pas élégant. Il est assis sur son séant dans l'enclave devant son gardien. Mais ça amorce la relance. La Caulfield. Et voilà Slavkovski. Ben on en rajoute. C'est 3-0. Patience de Slavkovski. Encore une récupération de rondelle. C'est là où le Canadien m'impressionne. Regardez le travail de Newhook. C'est lui cette fois-ci qui récupère la rondelle. Et Slavkovski pourrait précipiter son geste, décocher dans une... Ben, peut-être pas une cage. Matheson tente de contrôler les choses. Newhook, Suzuki s'échange la rondelle. Matheson tire! Impressionnant dans cette rencontre. On fait circuler la rondelle, on récupère des rondelles libres. Cette fois-ci, c'est Caulfield. Et quelle passe du capitaine. Vous voyez la passe de Nick Suzuki. Passe du revers. On n'est pas très alerte du côté d'Anaheim. Là, mais je veux rien enlever à ce que le Canadien fait néanmoins. Ça demande... À la ligne bleue. Passe le disque dans le coin vers Suzuki. On n'a jamais quitté là, le quintet principal du Canadien. Oh, le tir qui échappe. Et le tir est la bûche dans le tour. Suzuki, la passe à Caulfield, le retour à Suzuki, Matheson, une passe, une autre, devant, tir, et le but! Nick Suzuki, c'est l'égalité! Et ce but en avantage numérique qui ramène le compteur à zéro, regardez le mouvement de rondelle. Tout ça parce que l'exécution est rapide. On n'est pas en mesure d'intercepter, de placer nos bâtons dans les lignes de passe ou lignes de tir. Et cette rondelle revient directement sur le bâton du capitaine. Et la séquence va continuer. Mais quel jeu de passe de toute beauté. Les partisans ici au centre.